Yo, bonjour à tous, qui est Diabetin, on se retrouve pour un nouvel épisode du Vlog Olympique où je documente mon parcours jusqu'aux Jeux Olympiques pour vous motiver, vous inspirer, vous pousser à faire plus de choses tous les jours. Là, je prépare mes affaires pour aller à Copenhague demain. J'ai mon train dans 1h20 à Bordeaux, on est dimanche, donc ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de trains. Il faut que je me dépêche, sinon je vais rater mon train et ça va être la merde. Donc, je prépare mes affaires super vite de façon à pas avoir ce problème-là et je mange avant de partir aussi. Bon, là, c'est la merde. Fidèle à mon habitude, j'ai raté mon tram. Sauf qu'on est dimanche, ils arrivent que dans 15 minutes. Faut que je trouve une façon de. Et jusqu'à la gare. Putain! Comment on fait ça? Tous les moyens pour arriver à la gare, à partir de maintenant, me feront rater mon train. Donc je vais regarder si le train est en retard. SNCF Gare de Bordeaux. S'il est en retard, on a de la chance. Sinon, je suis obligé de prendre un Uber. Faut que je m'organise mieux, franchement. Non, pas de retard. Uber. Bam, bam, bam. Ça, c'est bien beau, hein, mais du coup. J'espère surtout que j'ai oublié aucune affaire, parce que si en fait j'ai oublié des affaires, ça va être la merde. Parce que là en fait, le plan c'est quoi? Demain on part à Copenhague, jeudi, mercredi soir on rentre, jeudi on part à Beauvais, jeudi soir on rentre. Donc ça fait genre 4 jours qu'on n'est pas là. J'ai pris une seule paire de chaussures qui est ma nouvelle paire de Gary VK Swiss, et une paire de running qui est dans mon sac d'escrime là. D'ailleurs, attendez, vous savez ce qu'on va faire en attendant? J'ai pris une bombe, on va repeindre... Ma housse, parce que là il y a écrit brunet, j'aime pas trop ça. On va redonner un coup de bombe. Ouais, écoutez, j'avais même sorti genre la bombe et tout pour repeindre le sac, mais manifestement ça n'a pas marché. Donc, genre, j'appuie, ça n'a pas marché. Et ce serait vraiment con que ça marche, que ça m'explose la tête. Donc, je vais juste l'acheter à la poubelle et. Et tant pis, mes espoirs de repeindre ma housse là sont annihilés. Je fais ça d'une autre façon. Je suis vraiment déçu parce que j'avais des grands espoirs pour la repeindre de mon sac. C'est la vie comme ils disent en français. Hein. Bon, ça y est, je suis arrivé à la gare de Bordeaux. Je fais le guignol là, je prends le temps de faire des vidéos, tout ça. J'avoue que j'ai 10 minutes d'avance, j'ai payé 15 euros le Uber, ça fait mal au cul, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Au moins, j'ai mon train, je vais arriver tranquillement à Paris. C'est ce que tu as mangé pour être champion du monde, pour amener le Mali en finale. Bon, ce soir je suis chez mon père. Je vais pas parler trop fort parce que là il y a tout le monde qui dort à cette heure-là. J'ai installé mon tapis pour faire mes étirements, tout ça. Demain matin à 5h, je pars à Copenhague avec mon père. Enfin, mon père me dépose à l'aéroport. Et je prends l'avion à 10h. Donc ça va me laisser le temps d'éditer des vidéos, prendre un petit peu d'avance, j'espère, parce que ces derniers jours, c'était un petit peu la folie. Je me suis arrangé pour me faire livrer une lame qu'on a eue grâce au bon d'achat qu'on a gagné au deuxième circuit national par équipe. Donc, j'ai enfin ma lame. Ça va me faire une troisième épée. J'en avais bien besoin parce que j'ai que deux épées, là, c'est ma troisième. Et c'est important d'avoir des lames de rechange pour pas avoir de problème en compétition. Donc, j'arrive. Je vais commencer à travailler un peu plus les abdos du bas, parce que les abdos du bas sont très solides et je pense que ça pourrait être intéressant que je commence à plus travailler les abdos du bas avec des mountain climbers, tout ça. Donc j'ai trouvé 2-3 exercices intéressants, je vais voir pour faire ça. On s'étire, on travaille, on n'arrête pas parce que nos limites d'aujourd'hui sont faites pour être dépassées demain. Il y a toutes les limites sans limite, tu peux pas qu'être. On va faire ça à chaque nouveau jour. Boum! Le prochain épisode de l'Olympique Vlog.